Et nous voici dans la seconde vidéo sur le plugin WordPress to Twitter. Nous allons voir dans cette partie les réglages disponibles lors de l'édition d'un article ou d'une page avec WordPress. Donc, une fois que vous avez écrit votre article ou votre page WordPress, vous aurez en bas de page, dans l'édition de votre article, dans le back-office, un onglet WP to Twitter, WordPress to Twitter. Donc, permettant ici de donner un résumé explicatif qui sera publié sur Twitter en rapport avec votre billet de blog ou de site. Donc, vous tapez ici résumé de votre article de blog WordPress, etc., 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 etc. Donc vous tapez ici votre résumé d'article si vous voulez. Il ne faut pas que ça dépasse 140 caractères. Donc attention à ça. Vous devez obligatoirement ne pas dépasser 140 caractères. Donc là vous avez le contrôleur. Et au fur et à mesure que vous tapez, regardez ici. Vous voyez, le numéro augmente. Donc on vous dit également que vous pouvez inclure dans vos mises à jour, vous pouvez utiliser les bouts de code URL, titre, article, catégorie, date, auteur, compte ou blog à insérer dans les URL raccourcis, titre d'article, les premières catégories sélectionnées, la date de l'article, l'auteur de l'article, la référence du compte Twitter, @ votre nom, ou un résumé d'article, ou le nom du blog dans le tweet. Donc vous l'insérez ici. Par exemple, vous copiez-collez ça, par exemple. Mettez un espace, etc. Vous arrangez comme vous voulez votre billet ici. Vous voyez. Ensuite, à la fin, vous pouvez mettre votre référence, par exemple, @. Moi, c'est Weblog France. J'ai un compte de Weblog France, donc je mets ça. Vous voyez. Donc ça fait un bel article bien complet. Et vous voyez, quand vous éditez une page, par exemple, ça s'affiche comme ça, là. Page éditée, nanana. Previous tweet. Voilà. Et ensuite, vous pouvez dire que vous ne voulez pas poster ce billet sur Twitter. Donc, cochez ici. Voilà. Et vous avez deux liens ici. Donc, faites un don, si vous voulez faire un don à l'éditeur du plugin, qui s'appelle Joe Dolson. Donc voilà, Joseph C. Dolson, donc c'est le créateur du plugin WordPress to Twitter, Accessible Web Design. Voilà, et là vous obtenez de l'aide ici aussi. Donc si vous cliquez obtenez de l'aide, vous obtiendrez de l'aide sur le plugin WordPress to Twitter à partir du site joedolson.com. Vous voyez WordPress ou Twitter, et là vous obtenez de l'aide ici. On vous dit l'installation en anglais, et voilà quoi. Voilà, voilà pour cette petite explication. Eh bien, le tutoriel sur WordPress ou Twitter est à présent terminé. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour de nouvelles expériences avec WordPress. Au revoir.